tout le monde connaît Drake Interplanetary, sa réputation aussi. En effet, si les milices privées constituaient le public cible, les tarifs abordables et leur bon armement furent ainsi très appréciés des pirates. Même le nom des vaisseaux fait référence à la piraterie. Cutlass, le Cutlass, Buccaneer, le Boucanier, etc. Les vaisseaux Drake sont peu onéreux à entretenir. Les Dragonfly peuvent être utilisés au sol mais aussi dans l'espace. Leur moteur Gravelève leur permet de rester accroché au sol, de gravir n'importe quelle montagne. Prévu pour 2 personnes, le siège passager permet de protéger l'arrière du Dragonfly. Les 3 variantes sont identiquement équipées, seule la peinture change. Black, Yellow et Star Kitten. Très bonne alternative aux Hornets et autres Gladius, le Buccaneer a été développé afin de travailler de concert avec le Cutlass ou le Caterpillar. C'est un chasseur peu solide mais rapide et maniable. Le Herald est ce que l'on appelle un data runner, un coursier d'information. Peu maniable, il est en revanche ultra rapide. Il est conçu pour intercepter, protéger et transporter des informations sensibles le plus efficacement possible. Les puissants calculateurs qui équipent ce vaisseau servent bien souvent à des tâches peu orthodoxes. Seule édition présentée dans ce salon, le Cutlass Black. C'est l'unité idéale pour toute milice. Il est peu coûteux et facile à entretenir. Drake insiste sur les missions de recherche et de sauvetage, grâce à son poste de radar, le rayon tracteur et une soute plus grosse que la moyenne. Il est modulable et existe en 2 autres versions. Red pour le secours, Troc sa soute pour une unité d'infirmerie. Le Blue quant à lui est équipé de cellules de détention. Et le plus gros vaisseau de Drake pour l'instant, le Caterpillar. Transport modulaire, il a été conçu pour le commerce mais aussi pour les missions de sauvetage. Il a été longtemps considéré comme une alternative low cost mais sérieuse aux hulls de Misk. Son unité de commande décentrée permet d'effectuer un repli stratégique en cas de situation désespérée. C'est un vaisseau que l'on trouve aujourd'hui très fréquemment, ce qui facilite la tâche des pirates qui veulent se faire discret. Il existe en 2 versions. Celle présentée ici est une pirate édition. Seule la peinture change. C'est terminé pour cette courte, trop courte expo sur Drake Interplanetary. J'espère que vous avez apprécié. Citoyennes, citoyens des étoiles, à bientôt!